il a pris un ignorant dans lequel il a mis la révélation. Dans lequel il a mis quoi? La connaissance. Cet enfant de village-là, au bout de 25 ans, voici un des grands, plus grands chirurgiens. Il opère tout le monde. Mais quand il venait du village-là, est-ce qu'il savait opérer? C'est la puissance de l'enseignement. C'est ça, mon frère. Donc, je bénis le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa fidélité. Je crois que nous allons commencer ce message ce matin. C'est une convention de Pâques. Et pour cette convention de Pâques, nous avons introduit hier soir, le message simplement sur la puissance de la croix. Et le message de la puissance de la croix, quand elle n'est pas saisie, le reste est difficile. C'est parce que beaucoup de chrétiens ont mal commencé leur vie chrétienne qu'à un moment donné, ils se sont stagnés, se sont embourbés et n'ont pas pu progresser. Et c'est très important que nous puissions aller pas à pas. C'est durant toutes ces années de ministère que j'ai commencé à comprendre que beaucoup de chrétiens souffrent, que beaucoup d'hommes de Dieu souffrent parce que ils sont entrés dans le christianisme, mais il y a les étapes qu'ils n'ont pas expérimentées. Il y a des éléments qui manquent dans le chaînon de la croissance. Comme un enfant, à un moment donné, il naît en forme et puis au moment donné, il n'arrive plus à grandir. Il y a des choses, quand on l'examine, il y a des choses qui lui manquent. Il y a des choses fondamentales qui manquent dans le corps de cet enfant-là. C'est un enfant, il est bel et bien né, mais il ne peut pas grandir. Et les parents commencent à s'inquiéter. Et quand on part faire un examen, les médecins découvrent que il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans son corps, qui ne fonctionnent pas. À cause de ça, sa croissance est difficile. Donc il faut corriger ces choses-là pour permettre que cet enfant-là, si possible, qu'il reprenne une croissance normale ou qu'on arrive à le maintenir en vie et qu'il vive en tout cas de façon adéquate. De même que Dieu est l'auteur du naturel, Dieu est l'auteur du spirituel. Et le Dieu qui a créé le naturel, avant que la Bible n'ait été écrite, sur quoi Adam et Ève vivaient? Il n'y a pas de Bible. Adam et Ève vivaient de la relation personnelle, de l'intimité qu'ils avaient avec Dieu. Adam et Ève ne jeûnaient pas, ne priaient pas, ils n'en avaient pas besoin. Adam et Ève ne faisaient pas comme nous faisions. Ils vivaient simplement de la communion qu'ils avaient avec Papa bon Dieu. Et la communion de la présence de Dieu avec eux faisait qu'Adam et Ève étaient toujours en parfaite santé. Rien n'était entre eux et Dieu. Et le christianisme, Jésus-Christ est venu pour enlever la mur de séparation entre l'homme et Dieu. Et cette mur de séparation ne peut pas être enlevée sans l'œuvre de la croix.
L'œuvre de la croix est venue pour détruire ce mur de séparation qui a été institué par le péché entre l'homme et Dieu. Alors, puisqu'il a enlevé le mur de séparation, il est venu nous réconcilier avec le Père là où Adam et Ève sont tombés. Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, où il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont fait un mauvais choix. Et le choix d'Adam, c'est pourquoi on dit Adam a péché. On n'a pas dit Ève a péché. La Bible dit Ève a été séduite. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Ève n'a jamais péché. Ève a été séduite. Adam a péché parce qu'Adam a volontairement. Il savait, Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras. Il n'a pas dit où vous en mangerez. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, Adam n'ayant pas été séduit, Adam a pris le fruit de la main de sa femme et l'a mangé volontairement. C'est pourquoi on dit, par un seul homme, le péché est entré dans ce monde. On n'a pas dit deux hommes. On n'a pas dit les péchés d'Adam et Ève. Jamais tu ne verras le mot péché avec Ève. Il y a le mot séduction. Il y a des choses, quand les gens ne lisent pas la Bible, c'est ça le problème. C'est que le problème, vous écoutez beaucoup de prédications, vous ne vérifiez pas dans la Bible. C'est pourquoi tout prédicateur qui vous prêche, vous devez avoir votre Bible devant vous, ou bien vous écrivez tout ce qu'il dit pour aller vérifier par vous-même. Ne consommez pas n'importe quoi. Je suis prédicateur, mais je ne veux pas que les gens viennent me taper les mains devant moi, dire « Ah, c'était bien ». Non, je veux que tu vérifies. Pas ta vie éternelle en dépend. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous manquez votre sortie, vous pouvez aller de l'avant et revenir. Mais si vous manquez l'autoroute de la vie éternelle, il n'y a pas de sortie. C'est fini pour vous. Donc quand vous venez les choses chrétiennes, soyez au sérieux. Soyez très, très au sérieux. Soyez sérieux avec la... Ce n'est pas une affaire de culture. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas un syndicat. C'est votre vie qui en dépend. Donc, Jésus-Christ est venu enlever le mur de séparation, dit la Bible, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Hein? Pour que la paix entre Dieu et l'homme devienne une réalité. Et maintenant, l'homme avait expérimenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'avait jamais mangé l'arbre de vie, puisqu'il y avait deux arbres dans le jardin. Jésus nous ramène au même endroit. Il nous ramène au même endroit. Là où le premier Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et l'arbre de vie représente Christ lui-même. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente Satan. L'homme a goûté, il a expérimenté Satan. Quand on dit le bien et le mal, le bon et le mal, c'est ce qui trompe les gens. Parce que on n'a pas dit le bon ou le mal, on dit le bon et le mal. C'est-à-dire que tout bon dans cet arbre-là contient quoi? C'est pourquoi depuis cette connaissance que nous avons eue, depuis que nous avons eu cette connaissance avec Adam et Ève, tout ce que l'homme a créé, il y a le bon et le mal. Les médicaments guérissent et les effets du médicament tuent. La voiture vous amène loin, la même voiture vous tue. Tout ce que l'homme fait, il y a toujours le bon et le mal là-dedans, en même temps. Tout ce que l'homme fait sur la terre, il y a du bon et du mal. Alors, Jésus-Christ, il dit, je suis la vie. Quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que Dieu, après les avoir habillés de vêtements faits de peau d'animaux, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement mis Adam et Ève hors du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé l'arbre de la vie, ils seraient des pécheurs éternels. Dieu les a mis au dehors.
Il a fallu que le dernier Adam vienne. Que le dernier Adam résolve d'abord le problème du péché. Et quand il a résolu ce problème du péché à la croix du calvaire, maintenant, Dieu dit à tout homme, quiconque croit en ce Jésus-là, qui est venu enlever le mur de séparation entre les hommes et moi, qui est venu prendre vos péchés, qui est venu mourir pour vous, quiconque croit en lui a le droit maintenant de manger de l'arbre de la vie. De l'arbre de la vie. Dans l'arbre de la vie, il n'y a pas du bien. Non, l'arbre de la vie ne contient pas du bien. L'arbre de la vie, c'est la vie. C'est la vie. Quiconque mange de cet arbre-là, Jésus dit, ah, la vie. Quiconque croit en moi, manger de cet arbre aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas manger de fruits, c'est croire. Jésus dit, quiconque croit en moi, moi qui suis l'arbre de vie là, je suis la vie là. Quiconque croit en moi a la vie. C'est une certitude, c'est une affirmation. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs, ce sont ces simples ABC qui manquent aux chrétiens. Je reviens encore parce que avant de commencer mes messages, je prends 20 minutes pour saisir d'abord vos pensées. Il n'y a rien de plus quand vous commencez des messages, vous venez de vos maisons avec des troubles, avec des soucis et tout. Il faut d'abord que je décante l'eau qui est troublée. Il faut que la boue se dépose avant qu'on boive l'eau qui est chaude. C'est pourquoi je prends 20 minutes, je vous regarde, je saisis. Je vois vos visages, certains sont troublés, d'autres sont fatigués, d'autres ont des problèmes en quittant la maison. Je vous regarde, c'est pourquoi je regarde droit dans vos yeux pour voir, pour saisir par le Saint-Esprit quelle est votre situation. C'est très important, frère. Donc, vous voyez, Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu, il a accompli ses vérités. Et maintenant, il va dire, si tu comprends ça, si tu as compris la puissance de la croix, ce que la croix a fait dans ta vie, si tu as compris l'œuvre de Christ à la croix du calvaire, ce que cette œuvre-là a fait dans ta vie, il dit, alors, tu es sur le bon chemin pour avancer. Vous savez, ce qui, je vous donne un exemple naturel pour que vous compreniez. Voici un enfant qui est intelligent. Il comprend beaucoup de choses. Il est intelligent. Mais, il lui a manqué des éléments de base pour faire le calcul. Par exemple, cet enfant est intelligent mais paresseux. Il n'a jamais appris la table de multiplication. Il refuse d'apprendre la table de multiplication. Il est intelligent. Mais vous pensez que le jour qu'on va lui demander de calculer la surface du carré et qu'on lui dit que la surface, il connaît bien la formule de la surface du carré côté par côté et qu'on lui dit que le côté du carré c'est 8 et on lui dit de calculer la surface du carré. Il est intelligent. Mais est-ce qu'il peut connaître la surface du carré? Il ne connaît pas quoi? La table de multiplication. Voici un enfant intelligent qui peut redoubler le CM, CM2, qui peut ne pas aller au lycée parce qu'il lui a manqué les éléments de base. Il est intelligent, mais il y a des éléments qu'il ne saisit pas. Parce que 8 fois 8, 64. Mais s'il ne sait pas que 8 fois 8 font 64, il va dire 8 fois 8, il va dire 16. Mais en disant 16, il va échouer lamentablement. Est-ce qu'il peut avancer? Mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a les éléments de base qui vous manquent. Si vous n'avez pas ces éléments de base-là, comment vous voulez avancer? Vous voulez dire prier? Ça, c'est des gestes inutiles. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur. Non, le diable n'a pas peur de vos faux mots. Ça ne l'intéresse pas. Le diable est tranquille et cool, il vous regarde. Quand vous avez fini de gesticuler, il vous matraque et puis il continue. Et c'est ça le problème. Je vois plein de chrétiens comme ça. Il vous manque l'élément. Si vous ne savez pas faire la conjugaison,
Mais c'est terrible. Le verbe être, vous allez dire quoi? Si vous ne savez pas que dans le verbe être, par rapport à la pluie, on ne dit jamais je pleure. On dit il pleut. On va dire conjuguer le verbe être avec la pluie. Vous allez dire je pleure, tu pleures. Mais le maître va dire mais monsieur, on va vous barrer et vous allez avoir zéro. Il y a des choses élémentaires dans la vie chrétienne que les gens n'ont pas. Ils veulent devenir des champions. Ils veulent aller opérer à des niveaux alors qu'ils n'ont pas atteint ces niveaux. Et c'est ça qui amène des catastrophes, ça amène des découragements. Et les gens quittent le christianisme. En gros, l'eau, ils s'en vont. Ils sont dans la vie. Parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent simplement des choses qui leur font plaisir. Et dans une église où on veut leur parler la vérité, vous voyez là, ils s'élèvent, ils quittent l'église. Ils disent non, non, cette église est trop dure. On nous enseigne des choses trop dures. Et ils s'en vont ailleurs. Les chrétiens sont à la recherche aujourd'hui des fabricants d'illusions. Qui vont leur donner de l'illusion. Quand vous entendez qu'un chrétien, écoutez-moi, frère, si vous pouvez aider les frères, aidez-les. Si quelqu'un vient vous voir, il dit, mais le pasteur Zida, ses prédications sont difficiles, sont dures maintenant. Bon, vraiment, aïe, on ne voit plus l'amour en lui. Tant. Bon, nous, on va quitter pour aller ailleurs. Il vaut mieux dire à cette personne-là, si j'étais vous, je vais rester avec Zida. Si ces prédications sont dures, on n'a jamais guéri quelqu'un de l'appendicite en caressant l'appendicite. Non, écoutez-moi, je vous dis, il y a des vérités qui doivent vous rentrer pour que vous compreniez. Ne vous flattez pas, aucun chirurgien de ce monde-là, même si votre propre papa, vous êtes son fils, il a beau vous aimer, pour vous opérer de l'appendicite, il ne va pas vous caresser. Il faut qu'il ouvre obligatoirement votre ventre, enlever l'appendicite qui est rempli, jeter. C'est le seul moyen pour vous sauver. Les chrétiens veulent qu'on... une maman ne peut pas donner, une bonne maman ne peut pas donner à son enfant tout le temps des sucreries. D'abord, il va gâcher ses dents. Deuxièmement, il va créer des diabètes à son enfant. La nourriture est équilibrée. Chrétiens, commencez à vous réveiller et commencez à accepter les choses simples de Dieu. Ne fermez pas les yeux en disant, oui, mais lui, là, il presse trop dur. Nous, on va quitter. Tu vas aller où? Dans 2 ans, tu seras déçu, tu vas revenir. Il y a des gens qui courent pour venir me voir, dire, ah, mais notre église, là, moi, ce que j'ai en horreur, c'est ça qu'on vient me dire, que le pasteur, il y a des gens qui viennent, un diacre, un jour, il est venu me voir, non, voilà, lui, il vient me confesser ses péchés, tout, je dis, je ne suis pas ton pasteur. Non, il dit, mais tu as péché où? Dans l'église là-bas. Tu dois aller confesser où? Dans l'église. Pas devant moi, je ne te connais pas. Allez, mais pasteur, non, ça ne marche pas. Tu pars confesser ton péché là où tu l'as commis. Quand Élisée était avec un groupe de jeunes pasteurs, prophètes, il y a un qui avait emprunté une hache. En voulant couper du bois, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Il est parti dire à Élisée, il dit, chef, j'ai des problèmes. Le fer de ma hache que j'ai emprunté est tombé dans l'eau. Élisée n'a pas dit, bon, on va faire le miracle ici. Il dit, où c'est tombé? Où? Il dit, c'est là. Il dit, bon, comme c'est là, il dit maintenant, prends le bois qui est déjà le symbole de la croix. Tu comprends? Le bois que Élisée dit, prends ce bois-là. Va mettre là où le fer est tombé. Le fer, c'est le péché. Il n'y a que la croix du calvaire qui peut l'enlever. Et quand le jeune homme est parti mettre le bois là où le fer est tombé, donc Dieu a vaincu la loi de la gravitation et le fer est remonté en surface. C'est la croix du calvaire qui fait remonter vos péchés, vos délits. Si vous refusez la croix du calvaire, vos péchés seront tapis quelque part, ils vont vous rattraper quelque part. Ils vont vous rattraper. Laissez votre vie touchée par la croix. Et alors, les péchés seront ôtés. Vous serez délivrés. Simplement. C'est ça le secret. Beaucoup de gens veulent l'onction, veulent la puissance aujourd'hui. Mais ça ne fonctionne pas.
Saül a eu l'onction. Ça n'a jamais fonctionné. Saül a eu l'onction, mais il n'a pas pu affronter Goliath. Ah, Saül était tout le temps en désobéissance avec Dieu. Donc son homme intérieur ne pouvait pas lui permettre de vaincre Goliath. Mais David était en adéquation avec Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a jamais été entraîné à la guerre. Il n'est pas un soldat. Il n'est qu'un simple berger. Mais le fait qu'il était en adéquation avec Dieu, qu'il plaisait à Dieu, David était conscient que le Dieu qu'il a suscité, qu'il a oint là, est capable à travers lui de vaincre Goliath. Et il a vaincu Goliath. Sans armes, simplement avec un lance-pierre et un caillou. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire des grands... Non, vous avez besoin de grand Dieu. Simplement. Soyez simple comme vous, soyez un zéro et laissez... Dieu est un 1. Soyez... Restez zéro. Ne vous inquiétez pas. Mais si on met un 1 devant un 0, ça devient quoi? 10. Si Dieu se met devant vous, vous passez de 0 à 10. Ce sont des choses simples que vous devez savoir. La vie chrétienne n'est pas difficile. Les gens la compliquent. Jésus dit, il a pris un enfant un jour, il dit, voyez cet enfant-là, si vous êtes comme lui là, tout ce que vous allez l'avoir. Vous êtes trop compliqué. Vous voulez raisonner, ça vous amène où? Quand Dieu dit c'est ça, c'est ça. Quand Dieu dit c'est noir. Quand Dieu dit c'est blanc. Un point, c'est tout. Et il vous dit, fais cela, fais-le. Moi, je vais vous aider parce que au début de ma conversion, j'ai eu trop de problèmes. J'ai fait 10 ans de lutte. Beaucoup de ma génération, ils ont abandonné. Certains sont devenus, ils ont dit non, pasteur, frère Karambiri, ça ne marche pas. Dans la vie chrétienne, ça ne marche pas. Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Ça doit marcher parce que Jésus ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Je n'ai pas compris, d'accord. Je n'obéis pas, d'accord. Mais dit que ça ne fonctionne pas, ça, ce n'est pas vrai. Ça fonctionne. Des milliards d'hommes ont expérimenté avant moi. Et après moi, des gens vont expérimenter. Donc si moi j'échoue, c'est moi qui ai échoué, c'est pas Dieu qui a échoué. Donc il faut que je voie. Et c'est à force de regarder la parole de Dieu, à regarder la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a commencé à me donner la révélation. Et quand j'ai compris ça, ma vie a été affranchie de ces choses simples qui me créent des difficultés. Toute la vie chrétienne commence d'abord par la recherche des choses, des bénédictions. Mais à un moment donné, on se rend compte que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous bénir. Nous sommes déjà bénis. Donc, vous voyez bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Il y a des choses comme cela qui sont bon. Et vous voyez, ce matin, c'était le premier message. Les gens vont venir l'après-midi, ils vont manquer ce message-là. C'est dommage. Quand nous avons des conférences en Afrique, le matin c'est rempli jusqu'à midi. On ne choisit pas. Je vous ai dit, ce n'est pas une table. Ce n'est pas la carte. On ne choisit pas des messages. Non, j'aime dire ça en Europe chaque fois aux gens. Vous choisissez des choses, ça ne marchera pas. Il vous manque le joint. Bon, celui qui va venir, par exemple, on doit prêcher, il ne sait pas, c'est à 15h, il va venir le soir, il va venir s'asseoir. Mais tout ce que je vais dire, il ne va pas comprendre. Moi, mes messages se suivent. Mais ça, sont logiques, c'est suivre. Moi, je ne prêche pas quand je parle les jeunes gens qui prêchent aujourd'hui, patates, demain, le soir, ils partent, ils prêchent choses, je ne sais pas moi, macaroni ou autre. Mes messages sont suivis. Si tu manques le premier message, le second message n'était pas utile. N'était pas utile. Si tu n'as jamais su apprendre à lire, on te donne un livre à lire, tu vas lire comment? Tu ne sais pas lire IOA. Comment tu vas lire maintenant Mamadou, tâte ta tête? Tu ne peux pas lire. C'est ça que les gens veulent. Les gens veulent quelque chose de magique. Non, il n'y a pas de magie. Un enfant, tout enfant d'abord doit naître et grandir. On n'a jamais vu un enfant naître aujourd'hui avec des dents et des barbes. Quand l'enfant est né, il y a la barbe et il y a les dents en lui. Mais les dents et les barbes vont sortir au temps convenable. La vie chrétienne est comme cela.
Des gens qui veulent naître aujourd'hui dans le christianisme et veulent devenir champion aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un enfant terrible. Un enfant qui naît à l'hôpital avec des dents et la barbe, tout le monde fuit. Tout le monde. Même les infirmiers, les médecins, tout le monde fuit. Un enfant des dents avec la barbe. C'est un monstre. Il n'y a pas de monstre dans le christianisme. Il y a une croissance. Même Jésus a été soumis à la croissance. Jésus a été obligé de boire le lait de maman Marie. Vous ne pouvez pas aller au-delà du maître. Il dit, tel est le maître, tel est le disciple. Vous voulez naître aujourd'hui dans le royaume et vous voulez être champion aujourd'hui. Pas possible. Il y a des choses où vous ne pouvez pas se leurrer. Il y a des choses pour vous fatiguer. Et les gens veulent prier pour vous. Moi, je ne prie pas pour ça. Hein. Un enfant de 3 ans vient et dit, papa Mamadou, prie pour moi que j'ai une barbe. Et moi, je vais prier pour cet enfant-là. Je vais dire, attends, quand tu auras 16, 17 ans, la barbe va sortir normalement. Ah non, je ne peux pas attendre. Tu peux attendre. Ok. Non, ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Va à côté là, il y a un jeune pasteur, lui, il prie pour des choses comme ça. Il y a un jeune pasteur, lui, il croit à tout. Il croit que lui, il peut tout faire. Va là-bas, lui, il va te donner une barbe. Moi, je ne prie pas pour ça. Alors, maintenant que vous avez saisi ce que je vais dire là, je vais commencer mon message ce matin. Je n'ai pas commencé mon message. Je vous ai dit, je vais saisir d'abord vos pensées. Je veux que vous puissiez vous réveiller de la torpeur et que vous sachiez de quoi on parle. Donc, notre premier message ce matin, comme le thème le dit, ce n'est pas moi, c'est Christ. Donc, c'est cela, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ désormais qui vit en moi. Et parce que je suis, c'est notre introduction ce matin, notre introduction. Et cela se trouve dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Vous voyez où bien où ça commence? Le verset 20 de Galates dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça que les gens n'arrivent pas à accepter. Et Paul a connu Jésus-Christ presque 30 ans après le départ de Jésus. Et il ne l'a jamais vu physiquement. Mais regardez la déclaration de Paul. Ça doit vous encourager, vous et moi, qui n'avons jamais vu Jésus-Christ physiquement. Dieu a fait exprès, c'est que ce soit Paul qui nous révèle les secrets du christianisme et non pas Pierre. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et de façon sentimentale, il aime parler de Jésus. On était là, il dit à Jean, tu as vu les jours qu'il a multiplié les pains là. Oh, on a bien mangé. Ils aimaient des choses comme ça. Il aimait dire des choses comme ça. Paul n'a jamais vu cela. Il n'a jamais vu ça. Mais Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a pas dit je serai. Ou bien je vais me crucifier. Il n'a pas dit ça. J'ai été crucifié avec Christ. Mais Paul, tu n'as jamais salué Jésus même. Il dit oui, je n'ai jamais salué. Mon christianisme n'est pas basé sur la chair. Mon christianisme est basé sur la vie de l'esprit. Je n'ai jamais vu Jésus de façon charnelle. Je ne l'ai jamais salué. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais pourtant, j'ai été crucifié avec lui. Voici le paradoxe du christianisme que tu dois saisir. On ne te demande pas d'analyser, on te dit de croire. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. L'évangile est toujours une folie. Un monsieur que tu n'as jamais vu, on dit qu'il est mort et puis il n'est même pas mort. Il n'est pas mort en Côte d'Ivoire, il n'est pas mort au Congo, il n'est pas mort en France, il n'est pas mort en RDC, il n'est pas mort. Il est mort où?
à Jérusalem. Il était juif. On te dit qu'il est mort il y a 2000 ans et qu'il y a 2000 ans, quand il est mort là, toi aussi tu es mort. Mais la logique ne peut pas accepter ça. C'est la révélation qui accepte cette vérité. Tu as été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Avec. C'est-à-dire que le jour qu'il était crucifié, pour Dieu, toi aussi, je suis crucifié. Voilà où tout démarre. Tout démarre ici. C'est le grand secret de Paul. Et qu'il dit à tout le monde. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit la suite. Et conjonction de coordination, ça veut dire que ça suit ce qui a été déjà dit. C'est-à-dire que si tu n'as pas été crucifié, tu n'as pas compris ça, le « et » était inutile. Le « et » tu ne peux pas l'appliquer. Tu ne peux pas venir voir, trouver quelqu'un et dire « et ». Il dit « et » quoi ? Si tu dis « et », ça veut dire que tu as déjà dit quelque chose avant. « Et ». Non, on ne peut pas, il ne fera pas « et ». Lisez la Bible avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et si maintenant, ou dans l'autre version, puisque je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quel moi? Il parle de son vieil homme, il ne parle pas de sa chair présente. Non, le vieil homme, on n'a pas dit que Paul avait 90 ans, non. Quand on parle du moi, ce n'est plus moi. Le moi là, c'est le vieil homme, la nature adamique. Cette nature que nous avons héritée d'Adam qui a chuté là, et qui était mauvais, qui était un allié de Satan, c'est ça que Jésus est venu nous séparer de Satan, et en livrant sa vie à la croix du calvaire, et notre vieil homme a été crucifié. Donc ce n'est plus moi, ce n'est plus le vieil homme qui vit, puisque le vieil homme a été crucifié. Il ne peut plus vivre. C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Les gens prennent le verset, ils le récitent. Non, on ne demande pas de réciter le verset. On demande si tu as bien saisi spirituellement le verset. J'ai été crucifié. Puisqu'on a dit hier, Romains 6, 6, mon vieil homme a été crucifié. Donc, quand il dit mon vieil homme a été crucifié ou j'ai été crucifié, c'est la même chose. Et la suite maintenant, il dit, puisque j'ai été crucifié, mon vieil homme a été crucifié, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus ce vieil homme-là, menteur-là. Ce n'est plus ce vieil homme-là, adultère. Ce n'est plus ce vieil homme colérique. Ce n'est plus ce vieil homme voleur. Ce n'est plus ce vieil homme tricheur-là qui vit. Non, puisque lui, il a été crucifié. Ça, c'est un fait de Dieu. Ce n'est pas une promesse. C'est ce que Dieu a fait. Que tu le veux ou pas, c'est ce que Dieu a fait. Si tu ne l'acceptes pas maintenant, malheur à toi. Si tu ne l'acceptes pas, malheur à toi. Je ne sais pas comment tu vas vivre maintenant dans la vie chrétienne. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il n'a pas dit c'est Jésus qui vit en moi? Il n'a pas dit Jésus vit en moi. Jésus qui est venu là, c'est Dieu fait chair. Jésus chair ne peut pas vivre dans quelqu'un. Christ n'est pas le prénom de Jésus. C'est la dimension spirituelle de Jésus. Jésus, c'est Dieu fait chair. Christ, c'est Jésus qui est remonté dans sa place en haut. Et qui est en esprit. Tu comprends? C'est lui qui vit en quelqu'un. Jésus ne peut pas vivre en toi. Il faut bien comprendre. Hein? Tout le monde dit Jésus, Jésus. C'est Christ. Si tu ne crois pas, allons dans Acte 2 avant de continuer. C'est pourquoi Jésus t'amène ta Bible chaque fois, je vais te prouver des choses. Acte 2, parce qu'il ne faut pas me contredire avec les enseignements des gens. Contredis-moi avec la parole de Dieu. Sois honnête, ouvre ta Bible. Si tu t'assois, tu commences à dire, telle personne a dit, tu es en train de te tromper. Disons ce que Jésus a dit. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Lis. Acte 2, c'est Pierre qui prêche. Le premier message de Pierre après la Pentecôte. On va voir la vie de Pierre donc cet après-midi. On va voir la vie de Pierre. Acte 2,
Et il est dit ici, à partir du verset 36, Pierre dit dans son message, dans son premier message, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, vous voyez bien, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez. Vous entendez? Ce Jésus-là, ce Jésus que vous avez crucifié là. Celui qui était dans la chair que vous avez crucifié là. Dieu l'a fait maintenant Seigneur et Christ. Christ n'est pas son prénom. Les gens croient que quand on dit Jésus-Christ, c'est le prénom. Christ n'est pas son prénom. C'est deux dimensions. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, l'enfant là s'appellera Jésus. Le Dieu qui est devenu homme là s'appelle Jésus. C'est pourquoi ce nom-là opère sous le ciel. C'est pourquoi Paul dit dans Actes 4, Pierre dit dans Actes 4, il dit sous le ciel, aucun autre nom nous a été donné. Sous le ciel. Tu comprends? Quand tu dis sous le ciel, quand tu dis Jésus, les démons s'en vont, les malades sont guéris. Tu comprends? Mais au ciel, il est assis Christ. Et c'est le Christ qui envoie le Saint-Esprit, pas Jésus. Jésus est le Sauveur. Christ envoie, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Si tu confonds les deux aspects de la vie de Jésus, tu as des problèmes. Ce Jésus-là que vous avez connu est maintenant Seigneur et Christ. C'est ça qu'on va aborder ce matin. Hier et ce matin, on a parlé de Jésus, Jésus crucifié, Jésus crucifié. Maintenant, on va voir, il est devenu Christ. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Mais avant d'arriver là, je vais d'abord prendre la vie de Jésus sur la terre comme notre modèle. Si on ne comprend pas, tout message qu'on prêche doit commencer par Jésus lui-même. Si Jésus n'a pas été notre modèle dans tel domaine, il ne peut pas nous aider. Quand nous sommes tentés là, pourquoi on peut ne pas tomber dans la tentation? Parce que lui-même, il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Et c'est pourquoi il est capable de m'aider dans ma tentation. Jésus est notre modèle dans tout. Quand tu es tenté, ne demande pas à quelqu'un, réfère-toi à Jésus. Quand il était sur la terre comme toi, dans la chair comme toi, il a été tenté dans tous les domaines sans jamais pécher. Jésus est ton modèle. En matière d'obéissance, c'est ton modèle. En matière de soumission à Dieu, c'est ton modèle. En matière de connaissance, c'est ton modèle. Donc, nous devons commencer tout par Jésus, notre modèle, notre exemple, notre maître, et avant de d'aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Dieu n'a pas envoyé un ange nous sauver. Dieu a envoyé un homme, Dieu qui est devenu chair, il sentait les douleurs comme toi, il avait les mêmes tentations que toi, et cet homme-là, regardons-le pas à pas, comment il a manifesté ce que nous voulons voir aujourd'hui. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Donc, on a vu ce acte 2, 36 là, c'est sur ça que je voulais venir, j'ai été crucifié, donc Jésus a été élevé, et il a été fait Seigneur et Christ. Nous allons voir donc notre première étude de cas. L'étude de cas, oui. Étude de cas, on va l'examiner pas à pas pour tirer les leçons qui sont applicables à notre vie individuelle. Nous allons voir la première étape de la vie de Jésus sur terre. Allons lire dans Matthieu 1. Matthieu 1, Jésus va nous montrer comment lui-même aurait pu dire, ce n'est plus moi, mais c'est le Père en moi. Jésus l'a dit d'une manière, ce n'est pas moi, mais c'est le Père. Regardons bien, Matthieu 1, verset, première étape de la vie de Jésus. Matthieu 1, verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble.
Ça, c'est la première étape donc, de la vie de Jésus sur terre. Donc, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie, la mère, a été enceinte. Allons au verset 20. Comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, « Joseph, fille de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc, vous voyez là, pour être déclaré, ça, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardons dans Luc maintenant. Luc 1, pour compléter cet élément important. Luc 1. L'ange qui parle à Marie. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Voilà ce que l'ange dit à Marie. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Verset 31. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Verset 34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, la réponse de l'ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, première étape de la vie de Jésus, personne ne peut être fils de Dieu que par le Saint-Esprit. Sans une rencontre du Saint-Esprit, sans une expérience du Saint-Esprit, donc Jésus a été conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Jésus est né dans ce monde par le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi l'ange dit, c'est pourquoi on l'appellera le Fils de Dieu. C'est ainsi que notre vie commence sur la terre, Jésus notre modèle. Tu ne peux pas commencer ta vie dans le royaume des cieux sans avoir été conçu par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, et naître par le Saint-Esprit. Jésus l'a dit à un grand homme appelé Nicodème, il est impossible que quelqu'un comprenne, que quelqu'un voit, que quelqu'un réalise, que quelqu'un rentre dans le royaume des cieux s'il n'est pas né du Saint-Esprit. S'il n'est pas né, il est impossible à quelqu'un qui va dans un bâtiment d'église, matin, midi, soir, d'être un enfant de Dieu. Il est un enfant d'église, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il peut être choriste, il peut être portier, il peut être pasteur, mais il n'est pas un enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit n'a pas été à la source de sa naissance, il n'est pas un enfant de Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Dites-lui, donnez-le tous les noms, sauf enfant de Dieu. Sauf enfant de Dieu. Et c'est clair. Jésus est passé par là. C'est le modèle. Si Jésus était tombé du ciel directement et me dit à moi d'être enfant de Dieu, je ne suis pas au ciel. Comment je vais faire? Il est conçu, il est né par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'a appelé fils de Dieu. Personne ne peut être appelé enfant de Dieu sans être né par le Saint-Esprit. Tu peux être enfant d'église, y a pas de, enfant de pasteur, il n'y a pas de problème. Enfant de diacre, de diaconesse, il n'y a pas de problème, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux être réformiste, tu peux être, c'est pas moi, protestant, tu peux être méthodiste, tu peux être baptiste, tu peux être tout, mais pas enfant de Dieu. Il faut que ce soit clair. Pas enfant de Dieu. Ah, mais moi je suis baptiste, moi je suis du sang d'évangélisation. Très bien, mais es-tu enfant de Dieu? Es-tu né du Saint-Esprit? Mais pourtant, je vais à l'église. Ce n'est pas une garantie. À l'église, il y a des ampoules. Ce n'est pas des, ampoules de Dieu. Évitez.
Nous voyons ici le premier aspect de la vie de Jésus, conçu et né par le Saint-Esprit. Alors, quand il en est ainsi, regardez la vie de Jésus maintenant. Regardez son enfance, comment son enfant va se dérouler. Quand tu es né, enfant de Dieu, tu commences par l'enfance, non? L'enfance spirituelle. Regardez maintenant l'enfance spirituelle de Jésus. Regardez-le et regarde ton enfance spirituelle. Comment, quand tu es né de nouveau là, comment tu as marché avec Dieu? Regardons-le. Allons dans Luc 2. Luc 2. Je vais t'amener pas à pas pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je veux pas, parce que l'enseignement a pour but de prendre un homme à un temps tenté. Et quand il finit à un temps T plus 7, il sort de l'ignorance, il rentre dans la connaissance. Et là encore, je vous donne un exemple naturel. Moi, je suis un jeune, né dans une famille burkinabé africain. Dans mon village, je n'ai jamais parlé le français. Écoutez-moi, vous allez comprendre des choses simples. Je suis né dans une famille où on parle une langue. À force d'écouter mes parents, j'ai appris cette langue-là. Donc, je ne savais aucun mot de français. Vous allez voir la puissance de l'enseignement. Mais un jour, mon père a dit, je vais t'inscrire à l'école. Je n'ai jamais fait l'école, moi. Mon père n'a jamais fait l'école. Il dit, mais je vois les bénéfices de l'école, que l'école est une bonne chose. Et il m'a pris, il m'a amené à l'école primaire de mon village. Et il m'a inscrit à l'école primaire. Écoutez très bien, vous allez comprendre. C'est mon père qui m'a amené là-bas. J'étais assis dans la classe. Le maître est rentré. Le maître parle français. Est-ce que je comprends? Je ne comprends pas. Puisque le maître a devant lui des enfants de toutes origines. Il y a des enfants qui parlent sans mots, d'autres langues, de mots aussi, tout ça là. Le maître, quelle langue il va parler? Il oublie de parler le français. Mais il sait bien qu'aucun d'entre nous ne comprend le. Écoutez la puissance de l'enseignement. Si vous comprenez la puissance de l'enseignement, vous allez préférer écouter que de vouloir des gens qui démontent simplement. Mais ce maître-là, étant intelligent, sachant que je ne comprends pas la langue qu'il dit là, il commence patiemment, tout doucement avec moi et puis avec tous les élèves. Il écrit au tableau, il s'en va au tableau et il prend la craie. À l'époque, c'était ça. Il écrit I. I. Et puis, il prend un bâton et nous le regardons. Et il va au tableau et il met sur le I là et, dit, et puis il dit I. 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 En association d'idées, ça veut dire quoi? Que ce qui est sur le tableau s'appelle quoi? Même si on est bête, on comprend ce qu'il veut dire, non? Oui ou non? Ah non. Écoutez, quand j'enseigne là, écoute, tu n'as même pas besoin que je prie pour toi. Si tu comprends ce que j'enseigne, tu deviens, toi-même à la fin de l'enseignement, tu deviens un maître. Et après, il écrit O. O. Il fait ça I. Il fait ça O. Après, il se tait. Il dit aux enfants là maintenant, il dit, quand il fait comme ça, tout le monde dit quoi? I. Quand il fait comme ça, tout le monde dit quoi? O. I. O. I. O. Ok. On a compris. Après, il continue. Il écrit me, M. Il écrit me. Il écrit D. Il écrit tout. Et puis, un jour, sachant que nous savons connaître toutes ces lettres-là, il commence à les rassembler. Oui ou non? Il met me et puis il met a. Et il dit maintenant ma. Ma. On dit ah, ma. Et, okay. Et puis il écrit d. Comme il sait qu'on sait dit d, il dit d. Après on sait o, u. Dou. Dou. Comprenez? Oui ou non? Comprenez? Alléluia. Alléluia. Et puis un jour, il vient. Il écrit M-A-M-A-D-O-U.
Et puis il dit aux enfants, maintenant, il fait comme ça. Il dit ma. Ma. Dou. Ma. Ma. Dou. C'est le nom le plus facile. Mais si on donne un autre nom, c'est compliqué. Hein? Ouais, frère. Mais cet enfant que j'étais là, en commençant comme ça, au bout de 20 ans, je suis docteur en économie. Mais quand il commençait, là, regarde la puissance de l'économie, la puissance de l'enseignement. Quand je rentrais à l'école, je ne parlais même pas français. 20 ans plus tard, je suis docteur en économie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un ignorant dans lequel il a mis la révélation. Dans lequel il a mis quoi? La connaissance. Cet enfant de village-là, au bout de 25 ans, voici un des grands, plus grands chirurgiens. Il opère tout le monde. Mais quand il venait du village-là, est-ce qu'il savait opérer? C'est la puissance de l'enseignement. C'est ça, mon frère, que vous devez aimer l'enseignement. L'enseignement va vous aider dans votre vie personnelle. Pourquoi vous aimez? Pourquoi vous voulez tout le temps vous recycler dans votre travail? Vous voulez connaître mieux, oui ou non? Mais pourquoi vous ne vous recyclez pas dans la Bible? Parce que vous croyez que la Bible est un livre magique. Que par non, je vais de s'asseoir, et puis Dieu viendra, taper votre tête un peu. Boum, allez. Maintenant, Dieu viendra, comme la magie, il tape. Reçois. Tu ne recevras rien. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Non, ça, c'est des idées magiques. Je ne sais pas où vous avez eu ça. Dieu ne fait pas comme ça. Regardez. Je vous pose la question. Jésus lui-même, qui a enseigné Jésus concernant la Bible? Ce n'est pas Joseph? Ou bien, vous croyez que Jésus il s'est assis comme ça, puis c'est venu en lui? Tous les enfants juifs étaient enseignés par qui? Par leur papa. Il y a 12 ans, on devait les présenter. Et aujourd'hui, comme les gens récitent le Coran là, ça a commencé avec les Juifs d'abord. Tout enfant de 12 ans devait connaître à réciter la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, par cœur. Jésus aussi s'est assis au pied de papa Joseph. Ou bien tu crois que Jésus, il est né et puis il a commencé à parler l'hébreu comme ça? Il faut que tu enlèves les choses mystiques de ta tête. Le christianisme, ce n'est pas du mysticisme. Lis Luc 2 maintenant avec moi. Tu vas comprendre. Luc 2. Luc 2, verset 40. 2:40. Il est écrit: or, l'enfant. On parle de quel enfant? De Jésus. L'enfant qui est né par le Saint-Esprit là, il dit qu'il croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il croissait et se fortifiait. Tout enfant de Dieu doit suivre le même processus. Vous devez croître et vous fortifier. Croître et vous fortifier. Verset 52. Lisons le verset 52. Verset 52 dit ceci: Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Là maintenant, il était arrivé à 12 ans. Le premier élément, c'était le petit enfant Jésus. Verset 40 là, il grandissait. À 12 ans maintenant, on le présente, on dit il croissait, il grandissait et il avait grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Mais regardez, lorsque quelqu'un est né du Saint-Esprit, les premières choses que le Saint-Esprit fait, c'est de nous amener à une croissance équilibrée. Les gens sont trop pressés, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que le Saint-Esprit fasse des choses que eux, ils veulent sauter des étapes. C'est pourquoi il y a trop d'accidents sur la route du paradis. On voit les carcasses des chrétiens à gauche, à droite. Ils ont fait tonneau spirituel. Se sont brisés les reins, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? J'ai fait tonneau. Pourquoi? Tu ne sais pas conduire et tu veux filer.
Tu vas faire ton nom. C'est la même chose. Même chose, frère. C'est pourquoi je vais vous amener doucement pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas le parallèle entre le naturel et le spirituel, vous n'allez jamais grandir. Parce que le spirituel n'est pas magique. N'est pas magique. Tout ce que vous a raconté que Jésus fait des miracles dans son berceau, ça c'est de l'illusion, du mensonge. Que le petit enfant Jésus, il prenait de l'argile, il faisait comme ça, mensonge, ça c'est de la magie ça. Jésus n'a jamais fait aucun miracle jusqu'à 30 ans, aucun. Il partait dans la synagogue, il voyait les fous, il voyait les démoniaques, rien ne s'est passé, rien. Rien s'est passé. Rien. Tu vas voir ce qui va se passer. À quel moment les choses vont se passer dans la vie de Jésus? Rien ne s'est passé. 30 ans, il était un apprenti charpentier. Il tenait le trousseau de papa Joseph. 30 ans. Toi, tu ne peux pas attendre 30 jours. Jésus savait qu'il est sur la terre là pour sauver les gens. Il savait qu'il est sur la terre pour faire l'œuvre de son père. Mais il n'a jamais dit à son père, mais je suis fatigué, ça fait 30 ans, j'attends maintenant, ça fait 15 ans, j'attends, ça fait 10 ans, j'attends. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi? Il était venu pour sauver les gens. Les gens mouraient. Les gens partaient en enfer, les gens étaient avec des démons. Mais Jésus n'a jamais dit au Père, mais pourquoi je suis là depuis? Non. La Bible dit, regardez même sur le plan naturel, regardez bien. Ça, c'est quand ils sont allés dans la synagogue de Jérusalem. La Bible dit au verset 51, puis Jésus descendit avec eux, avec Marie et Joseph, pour aller à Nazareth et il leur était quoi? Soumis. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'est pas soumis, qui est dans l'insoumission. Moi, je doute de cela. Cet enfant qui était soumis là, il était conçu et né par le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, votre caractère, il s'occupe d'abord de votre caractère. Le Saint-Esprit s'occupe de votre caractère. Un caractère d'insoumis, il y a un problème. Il y a un problème. Ah oui. C'est ça, non ?